ne faut surtout pas se relier de chacun. Il faut s'assumer. Non pas s'assumer en tant que tel, mais s'assumer, assumer tes plans d'Arcahaïtien, quel que soit ça que nous regardons passer l'âge de Dieu. Mais assumer en tant qu'Arcahaïtien, c'est la création du patrimoine. Et comme je vous ai dit, moi, on voit les manifestations, et là, l'homme, on a les. Que ce soit au marché de Saline, que ce soit à la Citadelle, ou que l'humain de bougie, ou pas voir qui est ce fait. Nous avons des requêtes, nous avons des prières, des débats, que nous commençons là pour le faire. Dans le monde historique, il y a 200 ans, 300 ans, et que nous croyons que spiritualité. C'est une raison pour nous mouvement à la place, pour nous garantir en bonne santé physique, et ceci, quel que soit les cataclysmes naturels, que ce soit les tremblements de terre, que ce soit les cyclones. Parce que pour tremblements de terre, par exemple, mon exemple très exceptionnel d'ailleurs. La Citadelle par exemple. Citadelle là, un livre nous ne pas assister. Parce que l'on descend en bas, ou même des murs, qui fait 6 mètres de long. Avec des tiroirs, avec des structures de protection. Et surtout le protection ça y est, lors du tremblement de terre de 1842, parce que l'un parle avec le tir, parce que l'histoire rapporte que le tremblement de terre ça a fait des dégâts irréparables causé des dommages sur la ville du Canadien, moitié de monde. Vu la dégradation du monde de 5 000 qui disparaissent, le monument est détruit. Le palais sans souci, mais ça, le palais sans souci des pays qui sont enfermés. Qui sont par des constructions très légères, des pays les plus forts, les citadelles existent. On sait ce que là où il est la colle, là où il est au pic, là où il est sous tête mondiale, il y a ça intensité maximale, c'est-à-dire que c'est là qu'il est vraiment dangereux. Malgré ce qu'elle a subi, Lyon, tremblement de terre de l'ordre de 8+, parce que l'ingénieur politique c'est autour de 8+, 8,2, 8,6, 8,4. Citadelle là, non seulement résisté, mais ça a sauté la donne, ces structures, ces tirages, ils sautaient la donne. Et qui je dis encore que la guerre est dans quelle mesure nous sommes capables de restaurer, parce que ce qui s'est passé à Port-au-Prince en 2010 et qui s'est passé dans le sud en 2014 et qui se passera certainement dans le sud, dans le nord, dans le nord. Demandez que nous prenions des mesures exceptionnelles, demandez que l'État essaie de réfléchir. Est-ce pourquoi vous les jeunes? Or, c'est seulement le mouvement de nos guerres qui inscrit en fait. Qu'est-ce que mon territoire de 25 km2 et qui classe le patrimoine de l'humanité. Citadelle là, parler de son souci, il y a un lieu tellement exceptionnel pour la liberté, c'est-à-dire que la liberté, ce n'est pas la liberté individuelle, ce n'est pas la liberté, ce n'est pas uniquement la liberté de l'haïtien, mais c'était la liberté. C'est l'état de tout un continent. C'est exemple ça que je dis que jusqu'à présent, il a fallu payer. Ça, c'est le débat. Peut-être que le matériel est fermé, ainsi que Sterner et Kessler. C'est-à-dire que nous avons bien un accord pour non seulement faire des projections, on est capable de bien exprimer, de bien expliquer aux salades du monde. Même quoi que gagner une appropriation de jeunesse pour faire, non seulement le monument historique, mais de l'esprit qui est derrière tout ça, de l'esprit qui a animé tout ça. Parce que un Christophe, ça ne se fait pas par hasard, et il l'a dit, je travaille pour la génération future, je dois apprendre à un peuple qui n'a pas, qui m'a fait le peuple ça, qui paraît honneur, comprendre ça, comprendre le mérite, c'est. Mais ce n'est pas uniquement Christophe, de Saline, Christophe, mais tous les pères de la patrie sont présents, cet esprit, l'esprit des pères de la patrie sont présents dans le monument historique. Est-ce qu'on voit disparition au monument historique, c'est la plus grosse catastrophe qui est arrivée. Par exemple, la citadelle de Platon qui est réduite à la hantade d'Ava. Nous avons des débats de la famille, tout le monde est malheureux. Pour nous, on est. Est-ce que la restitution est la loi du jour? Parce que la restitution, ça a été depuis le 19e siècle. Les mouvements ça fait commencer. La restitution a été à l'ordre du jour. On se demande, doit-on restituer? Quand on restitue quoi exactement? La mémoire, le monument. Nous avons aussi des débats philosophiques extrêmement intéressants. Je l'ai fait pour nous. Impliqué dans la donne et réfléchir à ça. Et malheureusement, ça peut passer dans le sud de l'art, non seulement l'île de Tunique, en plus de fortifications, des fortifications coloniales, des fortifications post-indépendance. Parce que ici, il y a plusieurs types de fortifications, les fortifications espagnolles. Non, pas les fortifications spanières, les fortifications françaises, et les fortifications anglaises, ainsi que les fortifications haïtiennes, qui, au moins, près d'une trentaine, quand nous construisons seulement dans l'espace de 2 ans, imaginez-vous, des années le 18 novembre 1803, le 1er janvier 1804, des années le 17 octobre 1806, à l'espace de l'île. Dans l'espace de tout ça, nous avons construit, et quand je dis non, c'est-à-dire qu'il faut s'accompagner ce monument-là, nous avons construit près d'une trentaine de fortifications. Et des fortifications élémentaires et locataires, par exemple l'or de Saline, et qui sont exceptionnelles parce qu'ils fortifiaient à l'haïtienne. Une fortification, ça, dernière fortification pour l'or, pour toute ligne de fortification, parce que on a préparé à des fortifications étagées. Et l'or, une dernière fortification, monsieur le député du monde, pour la scène de la maison, où toute la vallée de la Tibonite, à 360 degrés, ou absolument tout. Mais c'est ça aussi une vision militaire. Parce que c'est une militaire exceptionnelle aussi. Et il ne faut pas avoir honte de le dire, nous sommes une nation militaire. Premier acte que nous posons en tant que peuple, c'est la défense de notre territoire, c'est la défense de l'acquis, c'est la défense de notre liberté. Et ça, nous l'avons fait, nous l'avons exprimé à travers nos monuments historiques, nous l'avons exprimé à travers une trentaine de fortifications. Pas n'importe quelle fortification, des fortifications que nous mettons en opposition, en fait. Mieux vaut que je ne rentre pas dans ce que balater dans les bassins, parce que mieux vaut que balater dans les salauds. Parce que ça est extrêmement long et extrêmement. Donc, pour nous retourner à Sainte-Catherine, nous faisons des pertes énormes en termes de patrimoine bâti. Et ça laisse présager carrément le pire pour les années à venir et en ce qui concerne le patrimoine du Nord. Qui encore beaucoup plus grandiose que ça passe à la soupe, avec le patrimoine, parce que, en fait, c'est dans le Nord que vraiment colonisation est établie. Et pour Prince, les particularités, c'est que pour Prince, c'était la ville au-dessus, entre le Nord et le Sud, parce que les colonisations, les mouvements, enfin, là, la France a enrichi réellement sous une partie du territoire, sur le Nord uniquement, les Donc tout ce là, tout le gassin, toute partie ça, il faut que nous présentons. Mais pour nous prendre, il faut que nous mettions en rupture et pas presse. Il faut choisir position ça pour ça même. C'est-à-dire que regarder, laisser entre le nord et le sud, ils sont articulés et deux portions. Ils articulent deux portions sur le territoire. Top. Port-au-Prince 2010, il dit 350, il dit 300 000 dans le nord et dans le sud. Et il parlait de 2 000, il parlait de 3 000, mais c'est volume. C'est tout, que c'est l'église catholique, que c'est fortification, que c'est caille, que c'est résidence. Nous, ça, peut-être la fin. Or, nous sommes en train de nous mobiliser pour essayer autant que possible de pallier à ce qui va arriver. Gagner des projets qui apprécient tes lieux par les résultats. Sur la Citadelle d'Arich. Parce que si il y a un tremblement de terre passé dans le nord là, je veux dire, malgré que nous avons passé dans le prince et malgré que nous avons passé dans le sud, nous avons patrimoine là encore très utile. Pour la simple raison que la politique patrimoniale de l'État ici ne donne pas. Il paraît qu'il était important. Moi, quand je dis des amis là tout à l'heure, nous gagnons, dernier cadre que nous faisons l'histoire, nous faisons cadre de fortification de la fin, de l'installation militaire de Saint-Domingue d'Haïti. Et nous arrivons hier à environ 176 fortifications, camps militaires, routes, vigiles, enfin. Tout le monde a gagné du vocabulaire en termes de superficie, en termes de position et de positionnaire qui fait que le Vichy, le doute, le militaire et les fortifications. Mais il n'est inévitable que la fortification majeure, ça que toute l'humanité reconnaît comme un bien sacré. C'est ça, je ne pas comment faire. D'ailleurs, que ce ministère du public, quel que soit, que c'est la DG, c'est bon, bon, nous avons exploité l'image de la Citadelle d'Arich. Il n'y a pas eu la Citadelle d'Arich, parce que Henri Christophe n'a même pas dit ça. C'est pour ça que la Citadelle d'Arich, c'est la Citadelle d'Arich, qui c'est 10 000 mètres carrés de fortification. Parce que nous imaginons, nous avons 10 000 mètres carrés de fortification. Yeah. C'est 10 000 mètres carrés de fortification, c'est 175 bouches à feu, 175 canons. Les canons, ça y est, c'est plus gros rassemblement de type de canons, ça y est, en un seul lieu. On va penser à quel côté encore dans le monde. Nous avons besoin de connaître. Nous gagnons ici dans Haïti des biens patrimoniaux d'une valeur exceptionnelle, le sabri. Et nous avons compris l'importance, nous avons approprié le lieu. Et nous avons capable de dire le combat que j'ai mené, le combat que nous menons pour le réalité relative bonne santé. L'histoire est une priorité relative bonne santé. Et ceci, sans les moyens. Parce que, nous ne pouvons pas faire là, comment dirais-je, on n'est pas, nous ne pouvons pas faire autodestruction, nous ne pouvons pas détruire tête, nous ne pouvons pas, en même temps, jeter la pierre à qui que ce soit, même besoin que nous comprenions, non seulement l'importance du bien que nous gagnons, et c'est bien nous, c'est eux-mêmes qui identifient nous parce que ce sont des monuments identitaires de la ville d'Haïti. Extrêmement menacé, Et c'est bon, nous-mêmes, nous allons poursuivre la conversation parce que c'est un combat allié. Nous allons attendre tout type de combat, tout le monde, mais il y a un combat là pour qu'il y ait un mouvement. Tout le monde est historiquement fragile, extrêmement fragile, vu que à l'époque qui a été faite là, pas de l'affaire de parasisme. Ensuite, on était extrêmement pressé. Il y a une tentative de fortification. En deux ans, c'est une développée. Ce sont des constructions relativement fragiles. Et c'est ça à tout le monde. Donc, il faut à tout prix préserver, garder, et préserver et garder la vie.